Mbote na balanja msosa Kongo Mikili, www.kongomikili.com, site ba Congolais préféré, bino mombo ebi ya partout, nde na loba chaque fois que Kongo Mikili zo kanga 4 coins, hein? Donc partout biska Congolais za. Ata boki Congolais za na zamba tolandi, Congolais za na mai tolandi, Congolais za. Donc Kongo Mikili za partout. Et là, c'est un ami Clémence Boebi, à Dallas, Texas, na Congo Mikili à Dallas, aux États-Unis. Lelo toye poto yambi vraiment musicien abiso obino so bolingaka auti Congo, auti koya, donc toko découvrir ensemble na ba o ba ebiété mais ba o déjà ba ebié à ko se présenter comme ça to kende ensemble. Frère n'abso ki ko se présenter. Merci beaucoup maman Clémence et Zalingaï. Frère Mike Kalambay, artiste, musicien, chrétien, chanteur du Seigneur, président d'un groupe Shekinah Music, Nazalea Wana Dallas, depuis quelques jours pour un programme bien déterminé. Na pesimbo te na bande kona biso nyonso bazwa na biso sur Congo Mikili. Encore aujourd'hui une fois, Congo Mikili fongole biso bikuke na ngoya biso et pesi biso opportunité to solola na ba congolais nyonso bazwa na biso de partout. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, frère, je suis Mike Bolandi. Je suis à la présentation. Je crois que nous sommes frère Mike. La musique est en train de donc, c'est vraiment live à Dallas. C'est vraiment à Dallas. Donc, c'est que Bambi et Pembine. C'est vraiment frère Mike Kalambai. Frère Mike, je suis en voyage et je suis pour Kinshasa, les États-Unis, vraiment distance moi Moulaï. Je suis en train voyage à bien et je suis en train de expliquer. Oui, voyage et l'équipe bien, mais seulement que c'était un long voyage, un très long voyage même. Oui. Très fatigant, donc ennuyant en avion. Donc, mais finalement, le Seigneur a fait grâce. Nous sommes bien arrivés, quitté là par Washington. Et Washington, on a pris encore un autre vol pour Dallas. Tokoma qui très bien, on a commis très bien en tout cas. En tout cas, gloire à Dieu, frère, on a passé voyage à bien. Mais frère, tu as quand même un objectif de voyage à Dallas. Parce que tu as un album à bon Sika, je crois, au Colo Pende, tu as Kende. Bon, tu as un album à Koye, ce qu'on peut expliquer. Objectif pensa au Yeli Dallas ces années. Voilà. Déjà, il y a quelques temps, plusieurs fois, bah non, c'est le cas Ibélé, toujours aux États-Unis, toujours là. Mais finalement, ça n'allait toujours pas. Mais l'élo, vraiment, pour cette fois-ci, le Seigneur a voulu que le programme Oyo et Salema et que Bissomoko, tout ça, des personnes depuis Kinshasa, aux États-Unis, précisément à Dallas. Raison, ils ont mis ma Bisso Awa. Ils allaient d'abord, nous sommes invités par l'église Last Harvest Church, l'église que dirige notre papa, le pasteur Christophe Tshibasu. Dans le cadre de la conférence, ils allaient organiser Awa. Oui, on a déjà à partir de demain. Okay. Demain, le 19, la conférence commence et ça va aller jusqu'au 22. Mais le 21, donc samedi, c'est-à-dire Tobandi conférence, pause Mori Sami samedi pour le concert et le dimanche, on va finir avec la conférence. Alors, ce samedi, nous aurons une grande célébration à Dallas, donc dans une salle quelque part. Donc, Tozalawana, pour nous Kumisanzambe, la bande qu'on a biso ba congolais. D'ailleurs, même nous sommes en contact avec certaines personnes qui ne sont pas congolais. Oui. Donc, ils ne sont pas congolais, mais que nous connaissons depuis le pays, qui nous garantissent aussi qu'ils ne voudront pas manquer l'occasion. Donc, Tozalawana, pour célébrer le Seigneur, donc Tokumisa vraiment Nzambe, parce que, on doit se le dire, maman Clémence, na Zwagi quand même, tu es en contact avec Bande Kebele, basé aux États-Unis, précisément à Dallas. Ils ont souhaité nous avoir en live. Mais voilà que les Seigneurs qui avaient suscité à nous le besoin oui. Est en train de le combler. Amen. Alors. Amen. Vraiment, frère Mike, tu as fait une réponse. Donc, aux un concert, tu es au Sala Awa. Mais tu as vraiment toye ba relation nini bozana ngo na pasteur Oti Botanga Kombo, pasteur. Chibasu, aza pasteur nous sommes à Dallas donc il y a relation ni je m'excuse Bozanango na Church oui
avec l'église Last Harvest Church, cité Bethel, avec le pasteur Christophe Tibassou. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un papa pour moi en tout cas quoi. Oui. On va dire papa Nabisso. Azamoko est ma pasteur Nabisso, église cité Bethel, comme vous le savez. Moi je suis membre et serviteur dans l'église cité Bethel. Oui. Alors, mais c'est vrai que tant que mon pasteur est l'anzam, mais ils étaient déjà pasteurs. Nous, on était encore balamiqués, ma casse, l'école du dimanche. Oui. L'école du dimanche, toujours très bon, la musique, pasteur Christophe, pasteur Christophe. Mais, on doit se dire que, à l'ongo qui Kinshasa, il y a quand même longtemps. Oui. Il y a longtemps, tu sais, il y a à peine nous avons intégré l'entité à la jeunesse. L'église, lui, il était déjà même parti. Alors, mais ce qui retient un peu mon attention avec le pasteur, c'est que Ayebi qui Azamoana Nabisso, il est resté, il a gardé une attention très particulière na musala na ngaya musique. De plus près, il suivait mon évolution depuis Tobanek Musala Oyo, tout le temps aussi avec le pasteur Kado, qui est un de nos pasteurs, encore un de nos papas, donc qui est aussi ici à Dallas, Suzanne Yawana Dallas. Oh. Alors, par le pasteur Kado, le pasteur Christophe était tout le temps en contact avec nous. Oui. Alors, en lui, il y avait le besoin Wana. Il tenait toujours à ce que Mike, il faut qu'un jour cet enfant vienne aux États-Unis, à Dallas où je suis. Plusieurs fois, il a essayé, ça n'a pas été, au moins, il y a l'ambassade où je visite. On va Clément, ça va être le goût du seul mot. Pour un voyage, oui. Moi, je n'étais pas à Kinshasa, nous étions partis tout le temps comme dans nos habitudes, répondant à des invitations par-ci, par-là. Je me rappelle, j'étais où? Je n'étais même pas au pays, quelque part, je ne sais pas où. Mais tout de suite que je revenais, je reçois un texto du pasteur Kado qui me disait, voilà, avec le pasteur Christophe, nous avons parlé, nous voulons réessayer encore cette fois-ci pour une invitation aux États-Unis. Ah, maman, la baya, ma bête. Non, sincèrement, je n'avais pas le cœur dedans, sincèrement. Mais après que le pasteur soit rentré, le pasteur Kado, il a insisté. C'est un papa, je suis allé à la maison. Mike vient, je suis venu. On a parlé, on m'a montré l'invitation et on a essayé comme par hasard. Mais heureusement que deux jours avant, nous avons quand même soutenu cela dans la prière. Et comme par miracle, par hasard, je ne dis pas par hasard parce que c'était dans le dans programme du Seigneur. Oui, oui. Dieu savait que c'était finalement le moment. Mais c'est venu seulement au moment où on s'y attendait le moins. Quand ça peut être grouillard. Mais finalement, Dieu va faire grâce. Tosu Visayango, Naye en tout cas. Donc, Naye pour confirmer la bande de Guadalas que tout ali awa. Et ce samedi, pour quitter sa bonganga nzambe na Dallas. Amen. Nous allons vraiment bonganga vraiment comme il faudra. Amen. Vraiment, merci, mingi frère Nanga. Si ko bande ko ebele baso benga benga déjà mais maman Clémence a kongo mikili to lingi to contacter frère Nabiso Mike Lambaye pona ko atteindre yo faut ba sala nini parce que nga na so na réponse au pisa bangote donc soko ko ki ko signaler biso ba o balingi ba atteindre yo ba o ki ko soa yo ndenge ni. OK, donc je pense que et c'est très facile. Depuis le pays, à partir du moment déjà que Bélé à Dallas, et même il y a Canada, avait déjà pris que je venais. Oui. Plusieurs ont commencé à nous contacter depuis le pays. Nous avons tout une d'abord qu'on adresse Moko. Okay. C'est plus facile pour aller proprement avec les choses, pour être ordonné. Oui. Dans ce que nous sommes en train de faire, je souhaite que ma communion soit à la canaliser. Place Moko. Oui. Vous appelez Karma le pasteur, oui. Christophe Tibassou, à ses numéros. 817-867-25. Je reprends. 817-867-25. 817 comme Cordia Dallas. 867 et puis 25. Donc vous allez nous contacter par ce numéro. D'ailleurs, on a bandé on a monsieur Bélé à Canada qui souhaite que à Toronto, à Québec et même à Montréal, qui souhaite que à l'occasion caca. Pour 4, ça déjà, tout le Canada, pour encore quelques concerts là-bas. Mais je préférerais que nous passions tous à cette adresse, à ce numéro, pour que les choses soient bien coordonnées. Quoi. Mais Bande Voisin, là-bas, État, monsieur, nous avons eu des contacts à Atlanta, et à Bande à New York, il y en a d'autres encore à Washington, et un peu partout, tous à ce numéro du pasteur. Je crois que les choses vont très bien aller. Quoi. Bande Voisin, nous avons contacté Bissot et Zalanzela, numéro 1, pour vous à live, nous allons parler. Vraiment, bande de coche quoi, Bolandi. Pour nous, on va aller bande États-Unis.
Tochara 001. Voilà. Mais voilà. Oba en États-Unis, bo kemba la mona 817. Bande ko namso Canada, toko taka na 1 et puis bo tché 817. Donc wana ndenge boko ki ko atteindre frère namso. Vraiment tozane sengo mingi mena na question moko vraiment na ngina poser po et na lingaka vraiment na yeba. Musicien nyoso na liyamba kana ngaka na yo ka réponse na yi. Na question na ngane zake. Et ça au moins une des répondre dans ce sentir vraiment aux ana présence en Zambie ma case mais et comme à un moment moko na monaka ba musicien na biso comme on a après qu'on lancer première deuxième troisième bon l'aime surtout deuxième album kaka au moins après ba ensemble comme on dirait ça sous na onction mingité olé mais ma ba na présence en Zambie ndenge zaki liboso aux moins on dirait hein et comme moi na ébité pour na yo au coquille qu'on répondre et son ni ne causera rien. Ok, merci maman, c'est une très bonne question. Mm-hmm. Oui, bien à début dans l'année quand j'ai sorti mon premier album qui s'intitulait Jésus mon tout avec la chanson Yezali Kambangolo. Mm-hmm. Cette question, je vous dis, elle revenait donc na ba émission presque nous sont avec ça là. Si c'est pas le présentateur qui pose la question, c'est soit un auditeur plutôt un téléspectateur. Comme c'était plus plutôt les émissions aussi à téléphone ouvert, c'est une question qui revenait le plus souvent. Finalement, Etika Ramouké est retenu avec attention dans l'aïe. Et en même temps, il faut écouter Moussana Mokoban, Seigneur, il ne peut pas être au Kendebo, il ne peut pas être au Kangibiso et comme Melibiso. Alors, comment matière à réflexion maintenant pour l'aïe quoi. Et là, on a reçu vraiment maman. Maman Clémence, et Zali que, oui, d'abord, quand Dieu appelle une personne, et le monde dit, ça l'a d'abord, Dieu donne, te dote les capacités. Et on s'en a là, ok, la bengio. Vous allez remarquer même dans la Bible, toutes les personnes, en majeure partie, que le Seigneur a appelé, soit dans Nzambe. Ah, pourquoi? Parce que vous avez la capacité là-bas. Mon étalabie, Moïse, Gédéon, Nani, tout Abraham, tout le monde, qui, Noé, Bangonion, presque Bangonion, Baswana Nzambe, non Seigneur, non, tu t'es trompé, non, c'est pas moi. Alors, Nzambe, c'est quoi ça la canine? Tant que Bengayo, il prend comme ça les choses viles pour confondre la sagesse humaine. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, Dieu? Il prend maintenant les capacités, les potentiels, il dépose en toi. Vous voyez, alors pour que Ozala à mesure ya Ozala musala oyo abengelio. Alors très souvent moi je me dis so moni mutazo tomber nelo kwande wana mutu fota soit appel na yi. Il faut tant mal à m'appeler si réellement il a été appelé du Seigneur ou pas. Mais aussi il y a un grand problème on a répondre Ezali que moi je crois qu'en toute chose il faut maintenir son intimité personnelle avec le Seigneur, c'est très important. Dans la Bible nous compare aux sarments qui doivent être attachés au cep qui est Jésus. Tu es d'accord avec moi que tant que tu as 4 habitants, c'est fini 2 jours après, ça sèche. Alors pourquoi? Parce que ça ne jouit pas de la sève que donne le cèpe. Alors moi, comme sarment, j'ai intérêt à Kangama na Yesu. Pourquoi? Parce que Yesu, quand je suis en contact avec lui, je ne serai jamais à bout d'inspiration. Je jouirai toujours de l'inspiration qui découle de Jésus. Vous voyez? Donc je pense que c'est un peu cela pour être bref. Mais aussi, Dieu nous a fait une grâce très particulière, même pas particulière, parce que cette grâce accompagne aussi Béli Abayembi. Il y a beaucoup qui, depuis Babanda d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent, ils font très bien l'œuvre du Seigneur. Mais je peux aussi être compté parmi tant d'autres à qui le Seigneur a fait cette grâce. Depuis que nous avons commencé notre carrière, en tout cas, un jour, quand on va venir dans le Kamangolo, ils ont eu le rôle à Souka Mokili. Meilleure chanson de l'année, révélation de l'année. Tu es un jour, meilleur album. Et puis, c'est un trophée qui est même de, les portes de l'extérieur ont été ouvertes. Grâce à un jour, nous avons sillonné l'Europe et un peu partout. Et quand nous sommes, tu es un bon gars, mais là, c'était l'apothéose, quoi, développement français. Oui. Alors, avec celui-ci aussi qui est en train de venir, qui est déjà dans le bac, je vous dis qu'il y a un grand moukou Yamakasi. Nous avons vécu quelque chose. Il y a ma casse à Kinshasa, c'est que tous les lots, par exemple, il y a 2 VD, il y a qui album dans ta présence, volume 2, et Céline la soirée, mon con. Wow. Donc, c'est-à-dire que, Bandeko, la kissibiso, bolingo, na bango, attachement, na bango, na moussala, na biso, à un point, maman Clémence, où même moi-même, je n'en reviens pas, sincèrement. J'ai trouvé les peuples congolais, les publics en général, des enfants de Dieu,
très bouillant qu'avant même. Wow. En tout cas, merci. C'est l'album Mango. Nous n'avons pas besoin de représenter le Congo Mikili. Vraiment. Pour la déco, il y a un concert, il y a déjà un album à Sikesa déjà. Voilà. Donc, il y a toujours la cabane quand même, il y a un peu de l'exclusivité aux Angaté. Il y a un peu de Azali, voilà, penza faut y au vivre en go hein. Et ça te bosse la cabo mona na Congo Miki. Ko ya penza live na concert à samedi. Hein, bo le concert à samedi, ça vraiment on va donner le meilleur de nous quoi. Donc on la moussou sauté. Attends monsieur Roya et commander ba déchet, ba miette. De ya mo bimba vraiment donc c'est samedi déjà. Bon frère Mike en tout cas, question mon vraiment na lingi na tout na pe ya au moins les musiciens n'ont pas nié son bon cas il y a les musiciens en somme bien tout bas musiciens religieux et puis bah oya mukili bango nié son bah comme ils ont traité bango le collabo bah collabo bon ils ont musiciens aux appels à quatre moi et tout le monde on a groupé des athées alors on a évité yo koki ko ebi sabsoni ni parce que bah tout peut le loba bah koki ko loba pe frère Mike Kalamba yaza collabo. Bon, yo pona yo ezande ngene. O ko ebisa biso. Ah, vraiment likambo yo. Ha, mama na zeb sa yo likambo yo. Ezo sala esala vraiment pas si de constater que tout le monde aujourd'hui nous sommes dans le même sac. Ah, menzambe moko yebi. Ce qui est vrai c'est que déjà tous dans la casse. C'est vrai que nous bozaba aux États-Unis, mais aujourd'hui avec l'internet et tout. Je pense que vous savez quand même suivre de près la situation du Congo. Boutika la Koyoka en Sangote qui a posé qui candidature, député. Ce qui est le côté. C'est-à-dire que nous avons collaboré déjà pour vous répondre. Nous avons collaboré. Et puis, nous avons dit que nous avons maman. Nous avons politisé tout ce qui est politique. Donc, les penza les bandes, comme vous ne pouvez pas imaginer. Il y a certaines choses peut-être que nous ne saurons pas vous dire comme ça. Mais ceux qui sont avec nous savent quoi. Combien nous sommes apolitiques, tout ce qui est politique là-bas, politiciens. Et nous, tout ce qui nous concerne, qui nous préoccupe, c'est l'édification des âmes, comme nous sommes en train de le faire au travers de nos chansons. Maman Clémence, n'ayez pitié. C'est-à-dire que tout ce qui m'intéresse, d'ailleurs même tout ce qui n'a pas été en États-Unis, je suis venu, pourquoi? Parce que nous devons louer le Seigneur, nous devons célébrer le Seigneur dans une soirée d'adoration et de louange avec Bandeko Nyoso Awa. Et je crois qu'au travers de la soirée, le Kolawana, le Seigneur visite plus d'une personne. Le Seigneur fait du bien à deux âmes. Il y en a d'autres qui n'ont jamais connu, qui pourront vivre une expérience très personnelle avec le Seigneur au travers. Il y a un moment, comme nous l'avons vécu plusieurs fois. Au jour d'aujourd'hui, maman Clémence, Banzi mon abisso, nous avons des témoignages. Combien de salabola mon avis à Batou. Batou, j'ai tellement ébélé. Non, il ne faudra pas que Mouté maman B et la tabisso tienne après Wana au point de croire que tout le monde peut faire ce que tout le monde est en train de faire. Non. Et je vous dis, biso to basal na zambe, ngana moyembi na nkolo, musala na ngaka ka yango wana. Amen. Bande comme son so bolandi ba congolais ya partout de vous approcher na Congo Mikili. Frère Nabso Mike Kalamba et to sepeli mingi vraiment interview to salina yo, to kozala na vraiment pour na ko soutenir musala nzambe pe sur na ko sala. Donc misusu bazote ya na banze monere musala bozo sala et c'est vanchi moka monene ngala linga ya mingi. Ce qu'on se promet, biso bana Dallas nini, parce qu'on a vraiment la carte à Dallas. Hein, na simbi frère, na gaza te ke ba su bache biso, oh bache ba sa gise interview live. Hein, bana Dallas les frères, na so penza zalia, on se promet bango nini pona. Vraiment, merci beaucoup. Ben les gens sont la na biso ya Dallas, États-Unis en général. Vraiment le monde d'abord na le baza que la pessimino merci. Pour l'engouement, pour l'ardeur au Bozalango, je l'ai senti au travers de Belé, 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 Belé. Tout le temps, le pasteur nous rapporte toujours des avis très positifs. Nzambe a Pambolabino, quoi. Nzambe a Pambolabino et Belé, et Belé, et Belé. Merci pour la Bolingo au Botalissi, Naroyamabis, au Malam.
Que Dieu vous bénisse en tout cas. Tout ce que je veux vous promettre, c'est que venez nombreux déjà ce. Déjà lobby, la conférence, Boya Penza et Bélé. Ce qui est bien, c'est que orateur, bah, et Bélé. Ça va vraiment et Bélé. Il y a d'autres grâces qui nous viennent du Congo. Donc voilà quoi. Donc, à part le pasteur Christophe, nous aurons le pasteur Capé. Et nous aurons également le pasteur Kado Kabasele qui vient de Kinshasa. Boya et Bélé, venez écouter la parole de Dieu. Et le samedi, nous allons faire une pause. Là maintenant, ce sera la louange. Donc, comme nous allons le faire le samedi, Boya et Bélé. Boyebi, adresse, ils ont déjà affiché dans ma flyer un peu partout. Dans Internet, ils ont dit, j'ai vu ma spot et un peu tout ça. Venez nombreux. Ce qui est vrai, c'est que le Seigneur sera au rendez-vous. La Bible dit, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Venez nombreux, nous allons célébrer le Seigneur. Il y a des choses que la prière n'a pas résolues peut-être dans ta vie. Il y a des choses que les jeunes n'ont pas résolues dans ta vie. Permettez-moi de vous les dire. Qui peuvent se résoudre seulement au travers de l'adoration. Venez nombreux, nombreux, alors nombreux. Je connais une femme dans la Bible, maman Clémence. Oui. C'est Anne. Oui. Quand nous lisons bien la Bible, si vraiment nous pouvons rester dans la Bible. Oui. La Bible dit, elle s'est rendue à Silo, à Kenan à Silo, pour adorer. Oui. Bible commande nous. C'est-à-dire que je crois aussi dans mon cœur, que déplacement pour ça là et belé pour tabanda on a mis nous la place pour le concert aux là pour adorer le Seigneur. Quelque chose va se passer dans la vie de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère Mike Kalambay. Nous sommes en contact par le numéro on appelle Sibino. Voilà. En tout cas, merci mingi frère Mike Kalambay. Je crois Bolandi biso to komi na fin ya interview na biso donc to sali invitation bande konyo so Dallas nga kuna mona bande kom sou bazo ya pe bazo tabita mususu pona ko supporter musala nzamba bazo sala. Donc to kozala wana et je crois que to si si interview. Vraiment nazo pambola nzamba pona bande kom sou bazo nga ba garantir biso ke balonga ba eta mususu pona koya bande ko New York bande ko ya Washington. Il y a un peu partout, Bambou a même su expliquer. Oui, Nebraska, Houston. Vraiment, ça est belé, yeah. Belé, garantir que c'est Barozala. Voilà. Donc, vraiment, nous avons pas Moulanza, mais en tout cas, nous avons ça qui est que exclusivité Rosala. Exclusivité Rosala, c'est-à-dire, pour pas Moulama, pour pas Moulama aussi, avec Namou Pépé, album Oyo, dans ta présence, volume 2. Dans ta présence, volume 2. Fongola likolo, no kisambula no yakembo. Bakanga mi bakangwa ma, ika mwana kombona Yesu, mituna nayo ezwa biyano. Totato la solo azandame. Voilà. Je crois que Bomoni, Torozalana, vraiment, tu as qu'on vivre en live. Bon, Sidi, Boebi déjà, boutique Nabiso, et pas Nanga déjà, Maman Clémence, et Ozana boutique Nanga, et ça déjà, et pas Maman Wivine, Maman Wivine Chibasu, et ça déjà, et tu redistribues, on a ma boutique Nyon, soit Maman Congolaise, ou Ezana Dallas. Nde konyo so alingi obengi ya ba client nanga ya Illinois ba client nanga ya bubengi tina oship pona bino. Merci que Dieu vous bénisse. Bye. Bon, tout ceci c'est interview na son frère na son Mike. To yambi peser na son Leia azo sa la présentation ya ONG nae. Et baza ba sœur ya ko encourager ba jeune sœur na biso ba e awa ba e na âge moka bo mwana mais baza quand même na souci à mboka bazo penser na makambo zo le kana Congo azana orphelina na e akoki ko meka ko expliquer bino muke nini ya salaka na ONG na e wana sœur le akoki ko se présenter. Merci maman Clémence pour la parole. Kombo na ngale ya ndoku na zana Dallas Texas. Na sala orphelina na Congo, eza ONG, na zoraba na partir à zéro de 16 ans, bano ba parents ba bandona bango ba kufila papa na mama, bano baza en place à okendete,
En tout cas, nous avons vraiment besoin d'aide. Surtout, et avons besoin de nous congolais. Au moins, nous avons des lambeaux, la tarato, boaka, et nous avons besoin de nous. Pardon, kanga koli, tindelangai, tout tindelangai, congo, tout aide, bana, baza, bazo, lila. Bazan a besoin d'aide vraiment. I need your help. Ce que nous contactons, nous avons na Facebook, na leyandoku.com, na Facebook, ou bien na numéro na 940-595-3506. Merci. En tout cas, merci. Baza ba jeune sœur n'a besoin d'être encouragé. Aza trop jeune. Ko aider ba orphelin. Et ça les recommandations moko biblique. Pour abandeko ba sambe la kaboyebi. Donc et touché nga vraiment na komona ke jeune sœur aboué a koki ko soit charge déjà ya bana 45. Au moins na bamboko toza na ba place ba pesa ba tubilamba ofele. Mais na Congo isate, imaginez na Congo so bache place a opesa bana biloko a kolia ofele, to bilamba ofele, population ezala ya modèle ni. En tout cas bande ko nyonso bo Rolanda po bo meka ko sunga ser na biso na musala zo sala to soutenir ango po musane ke liboso. Eza toujours po na esengo na biso ba congolais komona ke bana na biso ba ena aja mike na mboko yo mais baza quand même ko penser toujours na mboka. En tout cas, sœur Léa na félicité na musalo sali et ngamo na osala mutali bosa o contribuer. Merci. Que Dieu te bénisse vraiment. Merci. Donc contact na ya pesi ba o balingi ba donation pour na ko faciliter ye bokoki ko ya ko tika ngona boutique nanga pour na bande ko États-Unis ba ebi ya Dallas bo ebi place ça na US na cité à US. Pona bandeko oyo bosali banda bokoki toujours ko benga numéro c'est Clément so ile kana na kongo mikili na opesa mino ba information. En tout cas merci beaucoup. Bye.